Bonsoir. Je voudrais faire une proposition concrète. Moi, je voudrais voir sur cette tribune des physiciens nucléaires. Je voudrais voir sur cette tribune des biologistes. Je voudrais voir sur cette tribune des chercheurs en management environnemental. Je voudrais voir des gens qui font des business schools et qui étudient les modèles de management environnemental venir nous expliquer comment on s'en sort de leur merdier. Nuit debout, ça s'appelait nuit rouge pour des raisons consensuelles ou de faire moins connoter, c'est devenu nuit debout. L'essentiel ici, le 31 mars, c'était leur faire peur. Les gens raisonnables sont ceux qui se font une raison de tout. Alors solidaire, ça ne veut pas dire d'accord. Un jour, peut-être que le service d'ordre de la CGT acceptera d'ouvrir ses rangs pour protéger les jeunes qui se font massacrer par la police en tête de manifestation le 31 mars. Quand les copines de la commission féministe exposent ce qu'elles ont travaillé, et que j'entends autour de moi des gens qui disent « Ah, oui, bon, ben, c'est les féministes, ben voyons !» Alors, le harcèlement, donc on n'est pas là pour draguer. Donc ici, c'est une occupation de place, elle est politique, elle est sociale. Ce n'est pas un club de rencontre pour célibataires. Ce n'est pas parce qu'on remet en cause la sensualité dans l'espace public que c'est l'open bar du viol. Merci beaucoup. Je voulais dire, si on accepte le Finkielkraut, on peut accepter Dieudonné alors ? Je me demande, on accepte tous les fachos alors ? Moi je suis SDF, et quand vous sortez du resto, que vous n'avez pas fini votre sandwich, s'il vous plaît, ne jetez pas la poubelle, c'est pas recyclable. Donnez-le à un SDF, parce qu'il y a tellement d'SDF à la rue et à Paris. Et posons-nous la question de pourquoi ce soir, un samedi, République vient d'être fermée. Alors, la police, elle est pas méchante. Ça va, pour une fois, ils m'ont pas coupé le micro. Ouais! Welcome to the world! Solidaire. Ce bébé a 15 jours, il faut lui laisser le temps de grandir.